c'est là que ça se passe maintenant. Pourquoi tu limites? Pourquoi tu limites? 4 verres pour la quatrième fois. Voilà. Alors encore une fois, verre. Alors pour la cinquième, voilà, c'est, voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alléluia. En tout cas, alléluia. En tout cas, il est bien. Alléluia. Aïta, d'abord, est-ce que tu m'entends? C'est bon là? C'est bon? Ça va bien. Bon, voilà. Alors, j'ai deux, trois petites choses qui me tenaient à cœur, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, que je tenais à te dire. Et en plus, devant cette belle assemblée, ben, ma foi, ça me fait encore plus plaisir de te les dire. Voilà. Donc, merci pour commencer pour les valeurs ô combien importantes de nos jours qu'avec Ama, vous nous avez transmises, à moi et à mes frères et sœurs. Et je veux parler de valeurs très importantes qui m'ont été très utiles dernièrement et qui sont aujourd'hui des piliers dans ma vie. Je veux parler de l'honnêteté, du respect, de la persévérance, de l'exigence et de l'humilité. Voilà, donc c'est des valeurs que tu nous as transmises encore une fois et qui sont bien ancrées et encore une fois, qui me sont très précieuses aujourd'hui. Merci aussi pour m'avoir fait découvrir la montagne. Y vivre de belles aventures à une époque où on pouvait encore camper où on voulait. N'est-ce pas Marie-Luce? Je pense qu'elle a été un des témoins importants de cette période. Aujourd'hui c'est plus compliqué, on ne peut pas planter la tente où on veut, on peut pas, il faut être à côté des refuges, il faut être... Mais on peut encore vivre de belles aventures. Merci aussi pour m'avoir appris à apprécier les chemins de crête auxquels tu es particulièrement attaché, parce que plus d'une fois tu nous as répété que les chemins de crête étaient difficiles à parcourir, qu'il se méritait et qu'il fallait toujours être attentif et faire attention parce que bien souvent sur les chemins de crête, il y a des précipices de part et d'autre. Et il faut faire très attention à ne pas sombrer dans les précipices. Donc ces chemins de crête, je les ai parcourus moi-même bien souvent et j'ai appris à les apprécier. Et je te remercie donc de me les avoir fait découvrir. Moi aussi. Alors, ensuite, merci aussi pour les leçons d'apprentissage des travaux, basées sur l'astuce, le bon sens, et soulignées par des dictons que tu nous as répétés maintes et maintes fois. Du style « Aide-toi, le ciel t'aidera », du style « C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que Léonard de Vinci », n'est-ce pas? Même si sur ce point-là, je dirais que je suis quand même un petit peu jaloux parce que j'ai essayé d'en attraper des miettes, mais Pierre a tout pris. Pierre est passé avant moi et il a tout pris. C'est lui qui est le champion de la famille pour tout ce qui est travaux, bricolage et pour les astuces. Et Étienne aussi. Anne aussi a tiré des choses, bien sûr. Mais Anne, elle refuse. Ah
Ah mais c'est pas fini. Merci enfin pour ta transmission de ta bosse des maths, n'est-ce pas? Puisque ta sœur ici présente m'a répété plusieurs fois que tu prenais des cours de maths avec un abbé, je crois, jusqu'au jour où tu es devenu plus fort que lui. Donc ce jour-là, il a dit, ben, j'ai plus rien à lui apprendre, c'est terminé, donc voilà. Hein? Je me trompe pas, babé. Hein? C'est bien ça. Et... Mais tiens, elle était encore plus forte. Mais je dirais que... Étienne était plus fort peut-être, mais moi je dis des choses et lui il dit rien. Voilà, hein. Bon. Je après. Il s'exprimera autrement. Donc, et je pense que j'ai à mon tour suivi ton chemin et retransmis ma bosse des maths à mes enfants. Je sais pas où ils sont, mais Arnaud et Amaya qui se cachent. Amaya est Hein bon. Enfin, ils ont bien repris le flambeau en tout cas. Voilà. Et pour finir, parce que je vais pas vous embêter avec des longs discours, hein. Donc pour finir, merci à vous tous d'être venus si nombreux, hein. Et témoignez votre, enfin, là je parle à votre place, j'espère que je dis pas de conneries, mais témoignez votre attachement et votre amitié à Ita. Et voilà, et maintenant... Voilà, et maintenant, mais je laisse la place au suivant. Se hay tan yo, se hay tan yo, se hay tan yo, se hay tan yo, se hay tan yo.
chez moi, honoré et heureux d'être au milieu de cette grande famille dont l'un des doyens est notre ami François pour ce soir. Le deuxième mot, pour rappeler simplement trois petits faits, parce que tous, vous n'êtes peut-être pas complètement informés de ça. Le premier, je l'ai rappelé à l'une de tes nièces que nous avions été, vous en souvenez, dans les années 82-83, voir le pape à Loyola. C'est sa belle-fille, c'est pas sa nièce. Sa nièce, oui, pardon, c'est un pardon, c'est pas grave. Je ne savais plus à qui je l'avais donné, ce bon souvenir. Nous avions passé tout un week-end là-bas en couchant sur place dans les bureaux de l'entreprise dans laquelle j'étais et pour voir le pape le lendemain à Loyola. Mais c'était lequel ? C'était Jean-Paul II, bien évidemment. Je t'en prie. Troisièmement, également à la même époque, eh bien, François, à ce moment-là, avait l'âme élevée et donc il jouait le rôle de Jésus. J'avoue l'avoir un peu trahi pour 30 euros échangés contre des deniers de l'époque. Il faisait Judas. Et en 85, il n'y avait pas d'euros. Voilà. Et puis quatrième mot, si vous me troublez, je ne vais plus le retrouver. Oui, non, c'est très important et j'en ai été très fortement imprégné. François, à cette époque-là, également trempé, nous trempions ensemble dans une réflexion, sinon une action, dans un mouvement que l'on peut appeler sous une forme non violente. Et à ce moment-là, vous le savez très bien, les choses ont changé aujourd'hui, mais à ce moment-là, la non-violence était bien à l'ordre du jour, car il se produisait des faits très graves dans notre petit coin. Et il fallait composer avec des réfugiés qui étaient chez nous, qui n'étaient pas faciles à vivre. Et il fallait également prendre en compte les arguments des prêtres qui s'étaient vraiment engagés dans ce mouvement. Et François a su tenir cet équilibre pour cette action, ou cet engagement qui aujourd'hui nous laisse, un sentiment d'un devoir accompli qui pour d'autres problèmes actuels, certainement nous inspire. Voilà ce que je voulais dire. Donc François, merci que nous soyons ici et à te revoir. Et nous serons présents également, je te le promets, pour Qui a sorti ça? Nous serons également présents ici. Il n'est jamais pas Petit drame. Idéal.
Non. Ah, c'est Bidéa. François Driolet. Alors, amoureux de la montagne, ouais. Toujours en chemin, et le cœur sur la main. Oh. Je remercie tout le monde, oui. Non seulement pour le bâton, mais pour d'être là, c'est le bâton. C'est déjà le bâton, le bâton. Voilà. Ne nous donnez pas alors, le bâton. Non, on parle tout le bâton. C'est pas un bâton. Moi non plus, parce que j'ai déjà une côte cassée, ça suffit. Oui, c'est pas, vous ne croyez pas, c'est bon. Alors, je sais pas, j'ai entendu beaucoup d'étonnement, un peu, devant mon tour de taille ou devant ma forme, tout ça. Eh bien, je n'ai aucun mérite de ça. Vraiment, je sais, c'est dans la nature, peut-être. Mais c'est surtout, je crois, parce que j'ai un très bon ange gardien. Je ne sais pas si vous y croyez ou pas. Il y a encore un truc d'homme. Hein, ça. Alors, au féminin, ça ne se dit pas. Hein? Et pourtant, moi, je sais que c'est féminin aussi. C'est pas je crois, je sais que c'est féminin. Parce que mon ange gardien, elle est là. J'ai doublé. François avec ses frères et sœurs. Super. Il y en a une autre là-bas qui attend. François et ses petits-enfants. François là-bas. Ne bougez pas. Campé. Non, Ivan, s'il te plaît. Lève la tête, Voilà. 1, 2, 3.